Le 4 décembre 2017, à 7h30 du matin, je pars pour la Pologne. Je pars sans savoir avec quoi je reviendrai. Mais maintenant je sais, et je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'aller en Pologne, et ce que ça m'a apporté. Dès que l'avion commence sa descente pour atterrir, l'atmosphère change. Le ciel bleu, infini et ensoleillé dans lequel nous volions, laisse place à un ciel nuageux, bas, oppressant et triste. Aucun rayon de soleil ne pouvait à présent passer à travers ce ciel gris. La journée est à peine entamée que la nuit se prépare déjà à tomber. Pendant ces 4 jours, j'ai vu beaucoup de choses. Visité Cracovie, Varsovie, des ghettos, des cimetières, Auschwitz 1, Birkenau, Treblinka, tout ça fait partie du programme. En me rendant là-bas, j'ai pu réaliser jusqu'où un être est capable d'aller lorsqu'il est pris par la haine. Et pour définir les limites de la haine, il faut se poser des questions. Pourquoi ces wagons à bestiaux, cette sélection, ces familles séparées, ces crânes rasés, ces gens fusillés et ces corps criblés de balles? Pourquoi ces fours crématoires, sans aucun au revoir? Pourquoi ces barbecues humains sur lesquels ces gens asphyxiés partirent en fumée? Pourquoi? La réponse ne se réduit qu'à une simple phrase. Parce qu'ils étaient juifs. Juifs au point d'être massacrés en masse. Juifs au point d'être utilisés pour des expériences horribles. Juifs au point de se retrouver en enfer. Yann, un témoin, raconte. Quand la fosse était remplie, il la comblait avec un peu de terre. Pendant 3 jours, la terre bougeait. Certains étaient encore en vie. Que peut-il arriver de pire à quelqu'un que de se retrouver dans un camp de concentration nazi? Rien. Malheureusement, ce fut le sort d'environ 6 millions de juifs. Les termes sont peut-être crus, mais ils sont à l'image de ce qu'il s'est réellement passé. Mais attendez. Quand on regarde le peuple juif, quand on regarde l'histoire du peuple juif, on voit qu'il y a quelque chose qui est indestructible. En effet, je ne suis pas là pour vous décrire la Shoah. Je suis là pour vous montrer que ce voyage est pour moi le symbole d'une évolution exceptionnelle. Celle du peuple juif. Car oui, la roue a tourné. Qui aurait cru que 70 ans après, ce peuple traité de sous-homme, de poux ou encore de vermine parasite est perpétué et perpétuera? Qui aurait cru que nous approcherions aujourd'hui du nombre de juifs dans le monde avant la Shoah? 14,5 millions environ, contre 7,5 millions en 1939 pour être précis. Qui aurait cru que les nazis seraient recherchés par ceux qu'ils avaient eux-mêmes cherchés et raflés? Et qui aurait cru que 3 avions de chasse israéliens frappés de l'étoile de David survoleraient Auschwitz, ce camp de la mort? Personne. Mais ne nous arrêtons pas là. Ce peuple a bien évolué. A évolué jusqu'à créer un état juif considéré comme la 8e puissance mondiale 70 ans après. Jusqu'à créer une armée considérée comme la plus puissante et efficace. Jusqu'au point où les armées des plus grandes puissances mondiales viennent s'entraîner en Israël. Jusqu'à devenir un peuple empreint de réussite, d'esprit de communauté, d'histoire, de découverte, de développement, de richesse de culture, et j'en passe. Je vous fais cette courte vidéo aujourd'hui, car je veux vous partager ma vision de ce voyage en Pologne. Ce fut pour moi une expérience extraordinaire, entourée de tous mes amis et des meilleurs accompagnateurs. Et sincèrement, respirez, levez la tête, regardez droit et partez faire ce voyage.